Marc, chapitre 12. Et il se mit à leur parler en parabole, un certain homme planta un vignoble et il l'entoura d'une haie, et y creusa un emplacement pour la cuve à vin, et y bâtit une tour, et la loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain. Et à la saison il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils puissent recevoir des viticulteurs du fruit du vignoble. Et ils l'attrapèrent et le battirent, et le renvoyèrent les mains vides. Et de nouveau il leur envoya un autre serviteur, et à celui-là ils jetèrent des pierres, et le blessèrent à la tête, et le renvoyèrent l'ayant traité honteusement. Et de nouveau il en envoya un autre, et celui-là ils le tuèrent, et beaucoup d'autres, battant les uns, et tuant les autres. Ayant donc encore un fils, son bien-aimé, il le leur envoya aussi, le dernier, disant, « Ils révéreront mon fils ». Mais ses viticulteurs dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils le prirent et le tuèrent et le jetèrent hors du vignoble. Que fera donc le seigneur du vignoble? Il viendra et fera tuer les viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture, « La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale du coin, ceci a été fait par le Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. » Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, car ils savaient qu'il avait dit la parabole contre eux, et ils le laissèrent et s'en allèrent. Et ils lui envoyèrent certains des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège dans ses paroles. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils lui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à la personne des hommes, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité, est-ce permis de donner le tribut à César ou non, le donnerons-nous ou ne le donnerons-nous pas ?» Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, que je puisse le voir. » Et ils le lui apportèrent. Et il leur dit, « De qui est cette image et inscription ?» Et ils lui dirent, « De César. » Et Jésus répondant, leur dit, « Rendez à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. » Et ils s'émerveillèrent à son sujet. Puis viennent vers lui les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, et ils lui demandèrent, disant, « Maître, Moïse nous a écrit que si le frère d'un homme meurt et laisse sa femme, et ne laisse pas d'enfant, son frère devra épouser sa femme, et susciter une semence à son frère. Or il y avait sept frères, et le premier prit une femme, et mourant ne laissa pas de semence. Et le second la prit, et mourut, et lui non plus ne laissa pas de semence, et de même le troisième. Et les sept la prirent, et ne laissèrent pas de semence, la femme mourut aussi, la dernière de tous. En la résurrection donc, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, n'êtes-vous donc pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne se marieront pas, ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et quant aux morts, et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au buisson ardent, comment Dieu lui parla, disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, vous errez donc grandement. » Et l'un des scribes vint, et les ayant entendus discuter ensemble, et percevant qu'il leur avait bien répondu, lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, « Entends, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ton intelligence, et avec toute ta vigueur, c'est là le premier commandement. » Et le second lui est semblable, nommément ceci, « Tu aimeras ton voisin comme toi-même. » Il n'y a aucun autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, de toute son âme, et de toute sa vigueur, et aimer son voisin comme soi-même, c'est plus que toutes les offrandes consumées et les sacrifices. » Et quand Jésus vit qu'il avait répondu prudemment, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et aucun homme n'osa plus lui poser d'autres questions.
Et Jésus répondait et disait, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David ? » Car David lui-même dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même donc l'appelle Seigneur, et d'où alors est son fils ? Et le petit peuple l'entendait volontiers. Et il leur disait dans sa doctrine, « Méfiez-vous des scribes qui aiment à se promener dans de longues tenues, et aiment les salutations dans les marchés, et les sièges importants dans les synagogues, et les places les plus élevées dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et pour prétexte font de longues prières, ceux-ci recevront une plus grande damnation. » Et Jésus s'assit en face du trésor, et regardait comment le peuple jetait de l'argent dans le trésor, et beaucoup qui étaient riches y jetaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint, et y jeta 2 pites, qui font 1 sou. Et il appela à lui ses disciples et il leur dit, « En vérité, je vous dis, que cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor, car ils y ont tous jeté de leur superflu, mais celle-ci a jeté de son nécessaire, tout ce qu'elle avait, même toute sa subsistance. »